Bonjour YouTube, bonjour la France, bonjour le monde, ici la marmotte. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'arène. On continue l'arène du démoniste, on est à 6-0, c'est un petit peu fou. Le deck est un petit peu fou, on a un petit peu de réussite qui va avec. On a 3 chefs du gang des diablotins, 2 déchuteurs pilotés, 2 chefs loups de givre, un garde funeste, un robot de soins antique, colum 6 piloté, 2 infernaux et malganis. Bref, il ne manque que les voids de couleur. Bon, on en avait vu passer un, vous vous rappelez peut-être. Si vous ne l'avez pas vu, je vous enjoins à regarder la première vidéo de cette série qui montre le choix des cartes. Et voilà, et c'est bien difficile. Alors. Bon. On va rien lancer. On ne va rien lâcher. Allez, le cultan démoniste. Dommage. Donc encore une fois, on va mettre le pas évident. Si on commence, on a qu'un T2 qu'on va quand même poser, bien entendu, en espérant qu'il n'y ait pas 8 amps de mana trop dégueulasse dans sa curve, ou en espérant avoir un T2 plus solide. On a le croc, c'est bien, T1, T2, ça nous permettra de temporiser un petit peu, j'espère, en récupérant d'autres vraies bonnes cartes. L'adversaire qui a peur, c'est normal, il réfléchit, c'est qu'il rencontre Best Marmotte. À sa place, mais il ne sait pas que je suis à 6-0, mais c'est qu'il rencontre Best Marmotte. Et rien que pour ça, à sa place, je firerai grave. Moi, ça, je firerai. Allez, est-ce qu'on va piocher le chef du Diablotin? Non. Donc, on a le tour 4, là maintenant, il manque vraiment le tour 3, peut-être le petit chef du gang des Diablotins. Le 3 dans le jeu, ce serait pas déconnant d'espérer en piocher. Croc Zombie et moi, ça enquiquine un petit peu l'adversaire, celui-là, ah, c'est du Croc Zombie, machin. Ça monte T2 avec la pièce, il va se faire défoncer pour le Croc Zombie, c'est pas cool. Voilà, il est obligé de faire pièce. Suivi 2. Cool insta, bon on va taper dessus. La Google. Ok, ça va arriver plus tard. Ça je m'en fous qu'il meure parce que je veux absolument un prochain tour. Du coup il va attaquer là-dessus. On va full mouffer. Soit c'est pas grave, je suis pioché. Là par contre ça m'enquiquine un petit peu parce qu'en fait c'est le je crois que c'est le seul tour 2 du jeu. Du coup il va pouvoir tout trade, poser un monstre et je pourrais pas y répondre. Allez voilà, attaque, tout le monde meurt, je m'en fous un petit peu. Je vais bien piocher un T3, pas du tout. L'apprenti, voilà. Ah, là, terrible. Terrible. Allez, j'ai rien à faire, du coup on va draw. Ah, l'éruption diablotin qui arrive. A voir, peut-être devoir la faire au prochain tour en espérant qu'elle soit à 4. A voir si nous pose un monstre ou pas. En follow-up. Croisons les doigts. J'espère que non. Ah, qui me ping juste. Ah, du coup, clairement, éruption diablotin, on va faire 4 petits tokens. Parce que j'y crois aux 4 petits tokens. Derrière, on fera le chef de givre. Allez, les 4 tokens. Bien entendu, ils sont appelés, ils sont là, ils sont formidables. Ça permet de faire chef loup de givre à 8 derrière, certainement de trade le monstre à 4 qui va nous poser. Moi qui c'est juste dans ping. Wait and see. Ok, 23 secondes. Du coup, je vais faire le givre et full trade. Parce qu'en fait, oh les malganis. En fait, en full tradant, ça donne quoi? Parce qu'en fait, ça donne quoi? Je crois que, si jamais, dans tous les cas, je prends un mouton là. Du coup, pour le gérer, il va forcément attaquer sur un truc. Non, je le attaque. C'est vrai que ça joue projectile des arcanes, ça paraît incongru. Je pense que je peux encore attendre un tour pour trade parce que s'il a pas de mouton, s'il a mouton en tout cas il va trade une petit monstre. Et du coup je suis encore un tour avant le blizzard ou le choc de flamme. Il faut quand même se dire que le projectile des arcanes, à l'explosion des arcanes qui met un point de dégâts à toutes les créatures pour 2 est fort improbable à ce niveau de l'arène quand il y a des adversaires qui sont bons aussi. Alors. Nous verrons bien, on verra bien. Voilà, il a le mouton. Il trade un petit monstre. Vous pareil, je pense pas qu'on ait le blizzard au prochain tour. Oh, ça par contre c'est très sexy. C'est très sexy, mais c'est complètement cassé la curve. Ouais, mais c'est très sexy. On va déjà piocher une carte. En fait, ça permet de faire un énorme trade au prochain tour. Derrière nous, on a encore un monstre qui va être obligé de gérer. Il est complètement 6 quoi. Donc à voir, pourquoi pas. Plus derrière, on peut faire double spell. A voir, en fait là du coup on gère le prochain monstre qui nous pose, on peut faire double créature qui survivent à choc de flamme, enfin qui ont des effets malgré un choc de flamme. Du coup c'est vraiment pas mal, là. Le pire carte qui puisse nous mettre bien entendu c'est un éclair de givre. Faudrait qu'il ait tout, ouais il a vraiment tout. L'adversaire vraiment fort pour l'instant. Ok, Mad Bomber, pas sur lui, yes. Sauvé, ça permet de trade, non et puis, je suis con, il avait encore de la mana, mais je suis bête comme mes pieds sont grands. Tandis que mes pieds sont gigantesques. Du coup juste poser infernal. Je vais voir comment je ressens pour au pire le deuxième après, je décide de me face. En tout cas, attendu ce game. J'espère qu'il n'a pas la main parfaite, qu'il n'ait pas en plus une boule de feu.
Qu'un gros gros jeu en face. Ouh, le canon dans le slam. Il va trade. Sans scrupule, le margoulin. Parce qu'il va me poser. J'ai de la mort spectrale. Alors, ça, c'est vraiment pénible comme carte. Pour ne pas dire autre chose. Alors, on va faire ça. Plus ça. En espérant qu'il n'y ait pas de choc de flamme pour tout clean. Bien entendu, il me resterait un petit 1-1. Il serait à 4 points de vie. Il serait mort s'il fait le trade. Il irait à 2, il me fait un token, c'est pas mal. C'est vrai qu'il est plus d'antimètre quoi. À un moment donné, il m'en a déjà joué 2. Ok, là-dessus. Yes! C'est bon, ça! C'est bon, ça, la RNG. Mangez de la RNG. Mangez de la RNG. Oh, ben. Oh, il va attaquer dessus, du coup, il va mourir. Bon, donc, il meurt. Qui suis-je pour empêcher ça? Ah, c'est que j'ai toujours pas de taunt. Je n'ai pas encore envie de poser Mal'Ganis, j'ai juste posé toutes les créatures du monde à ce tour. Posé Mal'Ganis après en mode je veux pas mourir. Bref, pour faire des trades. Pour pouvoir trade son board. Qu'il puisse pas jouer mon Mal'Ganis. Parce que là je suis à 10. Normalement, il va pas mettre 10 points de dégâts à ce tour. Là, en tout cas, son jeu est tellement solide, tellement de gros anti-bêtes, tellement de trucs dans tous les sens. Tendu. Alors. On va bien voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande. Ah, il se demande. Ça, on est d'accord qu'il se demande. Je vais laisser le pas se demander quelque chose. Allez. Oh, il peut y avoir des petites cartes, des trucs un petit peu moins solides qu'est-ce qu'il va me poser pour l'instant. Qui est dramatiquement fort. En tout cas, il a l'air d'un petit peu hésiter. C'est qu'il n'a pas de choc de flamme et ça, c'est le bien. Parce que là-dessus, sur choc de flamme, par contre, j'implose. Elle était peut-être juste AFK aussi. Juste AFK. Okay, le face. Quoi, vous? Et la Guerre Rouge. Qu'est-ce que je peux tout trade? Non, je peux pas tout trade. Je peux pas trade ça. Réfléchissons. Non, je peux pas tout trade, mais par contre, je suis obligé de poser Mal'Ganis. Ça, c'est sûr à 100%. En fait, je vais essayer de forcer le trade sur Mal'Ganis plus Link comme disant qu'il n'a pas forcément de létal pour me tuer au prochain tour. Alors que moi j'ai 4, ouais, j'ai 4, 6, 7, 8. En fait, là il faut pas qu'il me tue en 2 tours. Là il est quasiment obligé de te trade lock. Oh non, non, pas le deuxième mouton. Oh la boule de feu, c'est les terribles. Moi je t'ai mort sinon. Ça trade là, il va me bourrer, je passe à 4. Voilà le Crocylis que je m'en fous, je peux le trade. Et 4, 6, 7, 8. Allez, top deck, garde funeste. Il convient de réfléchir présentement. Je suis à 3. Je peux tenter le top de la carte finesse 2 fois. Après, je vois plus mana pour ça et ça. Mais ce que là, je peux faire 4, ça c'est bon. Je peux tenter. Allez, le garde finesse. Ouais, j'ai plus mana pour tout faire. Raté. Ou ça, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que c'est pas mal. Donc, c'est pas mal, voyons. 4, 6, 7, 8. J'ai que 11 en fait. Allez, tellement de pression dans ce game. Enfin, pour moi, hein, parce que lui est bien. Allez, faut juste pas qu'il ait la main full parfaite, quoi. Il m'a sorti boule de feu, éclair de givre. Tiens, j'ai le mouton, tout dans le bon ordre. Faut juste espérer qu'à un moment donné, il se calme un petit peu et qu'il joue des monstres que je puisse trade. Voilà, c'est tout, c'est dit. Ok, le ping là-dessus. Allez, Amilus tempête de mana. Ça sent le choc de flamme, quand même. Et la top decké. Carte de droite, monsieur carte de droite. Ça va. On est loin d'avoir gagné, mais on n'est pas encore mort. Alors, attendez. 4, 6, 4, 6, 4, 6, 9, 10, 11. 4, 6, 9, 10, 11. On le remonte, on le repose, on le remonte. Attendez. 4, 6, 9, 10, 11. Ouh, je crois qu'on a le létal. Attendez. 4, 6. Ouh, c'est ça. Ouh là là. On va pas miss létal. On va l'avoir. On va rien rater. Oh, je suis une machine. Ah bah on va le tuer à l'infernal en fait, je suis trop bête, c'est beaucoup mieux le kill à l'infernal. En tout cas, ce chevalier d'Hurlevent qui est tellement worth it quoi. Autant dire, chevalier d'Hurlevent qui me fait gagner 2 games à lui tout seul. Ah, il me fait gagner 2 games à lui tout seul, grâce à lui. Par cette petite carte que j'ai un peu prise par défaut et qui m'envoie tellement de rêves depuis le début de cette arène. Et on est à 7-0, on lâche rien. Je pensais vraiment pas la gagner celle-là. Entre son mouton choc de flamme, enfin boule de feu, il a juste manqué heureusement qu'il appelle choc de flamme quoi. Double canon lance-flamme, c'était bien. Ouais.
7-0, on y croit toujours, on ne lâche rien. Jul'dan, Orbit, encore démonis contre mage, je joue contre un certain Orbit. Encore mage, de toute façon on va quasiment plus que contre des mages maintenant jusqu'à la fin de l'arène, parce que bah, c'est tellement OP par rapport au reste mage, que tout le monde joue mage, parce que c'est les meilleurs sorts de base, ouais, entre tu prends choc de flamme, ça devait gagner des games à lui tout seul. Ah, j'avais oublié elle depuis le temps. Alors on a T1, T3, on a T2, T3, ce qui est pas mal quand même je pense, il manque peut-être le petit croc zombie, c'est tout. Bonjour. Bienvenue. Je viens du vide et les étoiles entre elles. Hop. Il manque juste le croc zombie, serait le plus gros top deck que je puisse faire de mon jeu. Pas de top deck. Hop, voilà, ça T2, ça T3. Normalement c'est le plan, après voir ce qu'il va nous poser à ce tour-ci. Une créature avec un d'endurance, ce serait le better, genre une 2-1. Oh rien. Rien c'est encore mieux en fait. Ça peut être le contrôle du board. Après il risque de poser un gros truc genre qu'un ogre. On verra bien. Hop là, avant l'abomination, j'ai pas pu jouer autre précédent. Toudoum. Toudoum. Parce qu'il a commencé à jouer un secret, un monstre Worgen déjeuner. Voilà, ça commence à devenir plus pénible. Tout de suite, et j'ai rien pour le jury. Elle risque de prendre boule de feu, tac tac, double trade. Ah, je peux prendre tellement cher. Alors que moi, si au moins il attaque là-dessus, je prends boule de feu là-dessus, ça fera 3. Et je pourrais au pire faire pièce abomination. En fait, c'est trop risqué de faire l'enseignante, parce qu'en fait, si je fais pièce enseignante, je prends boule de feu sur l'enseignante. Derrière, elle prend 3 là, du coup, je prends 4, je peux même pas le trade au prochain tour. Alors que là, au moins, ça, il y a un petit trade qui peut se faire. L'attaque là, le ping, l'attaque, je peux réattaquer, voilà. Ok, ça c'est fait. Voilà, alors limite il garde la 4-2, il ping la 1, mais moi je suis content. Chef il a fait du 1 pour 2, il va faire du 1 pour 2, il me restera un petit token, il va tuer la 1-1, il lui restera que 2 mana, et ce sera cool. Voilà. Parce que moi je suis plus safe en fait, il ne veut pas faire boule de feu là-dessus, je ne fais pas un peu le char araignée. Bonne carte, char araignée. Allez, on va commencer par une enseignante pourpre, je pense, parce que là du coup il va traîner les deux. Enseignante pourpre, ça permettra de taper dessus tout en restant vivant. Là où le déchiqueteur il va très là, j'ai tapé dessus derrière, il sera plus vivant. Ah bon, en tout cas pour l'instant c'est très 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 serré, très tendu, il va me manquer peut-être un petit somme, petite bombe de matière noire ou autre pour prendre l'avantage à un moment donné. On verra bien ce que ça va donner. Oh, elle est la boule de feu a priori qui est voulue. J'ai vu, elle a failli partir. Crasheur dessus. Ouais. Ping là. Trade là ou face, je ne sais pas. Et face. On va commencer bien entendu par détruire. Oh là 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 là. Allez, à 3. À 4, à 4, à 4, à 4, à 4, à 4, à 4. Vas-y, Annie, la 4, à 4, on te dit. À 3, ça me va aussi. Excuse-moi. Je m'enflamme. En fait, les must value de la reine, c'est l'explosion de diablotin, quoi. Explosion de diablotin, chevalier du hurlevent. Comment faire 7-0 en arène? Je dis 7-0. Allez, où? Ah bon? Le mec il prend un risque de ouf sur le silence. Je sais pas si je dois dire qu'il a des balls en acier trempé ou s'il joue mal. Je trouve ça assez fou ce qu'il fait. Que la leçon commence. Attends, vieux amasseur, là, attends, je vais mettre la course par un vieil amasseur de butin. C'est pas anti mirror, pas trop. Ah, ça va être contre-sort alors. Je suivrai vos instructions. Ok, c'était dupliqué. On va se taper une sortie full mouton alors, c'est bien. J'aime les moutons, c'est bon les moutons. Ok, voilà pourquoi la papping, cette entité, il va avoir plein de moutons dans son jeu. Bah écoute, fais-toi plaisir mon coco. Je m'en fous, moi je pioche masse, t'as 2 moutons et 5 cartes à main, j'ai 5 cartes et un vrai board. Ok Archimage, ça c'est vraiment pénible, heureusement je pars le trade. De matière noire. Oh, c'est pas mal ça. Allez. On va redonner une carte, hein. De toute façon c'est pas mal dans mon jeu, la pioche de cartes imposée. Chef du gang des bleutins. Allez, on va devoir revoir, refleurir du mouton je pense, au moins pour le jurer avec le voile de mort, on a Ogremage également. Je suis assez confiant. Enfin, assez confiant. Pour la gestion des moutons. Pour le reste, je ne sais pas encore ce que ça donne. Mec, le dupliqué du mouton, quoi. C'est chaud patate. Concentrez-vous. Ok, je veux bien me concentrer. Promis, ça, je veux bien le faire. Votre magie. Et ok, ça va, silence. Bien.
Ok, une cool. Parfait. Toujours dire parfait, même quand c'est pas le cas, hein, bien entendu. La base du beau jeu, du beau geste. Alors, on va commencer 4, 7, 8. Ça a l'air bien, ça. 4. Ça sert à rien, en fait. Bon, par contre, ça sert. Parlement paré. Une autre carte. J'adore la trop de cartes. Ogre. 4, 3, 3, machin, mouton, ping, mouton, mouton, escalade, danger, tristitude, on va droit. Ah, un chef légère, ça c'est pas de pas mal. Genre 2, 6, pièce 11, on a une 6, 6. Il y a toujours 4 moutons, 2 moutons en main, 4 cartes inconnues. Ah bon, ça va. Ma ping ça, en fait non, ça va pas. En fait, ça va complètement forcer à faire abomination. Ok, ingénieur novice, il recycle son jeu. En fait, le truc, c'est que j'ai masse misé sur l'abomination, là. Butez-le ! Ah ouais, du coup, il a plus que deux moutons. Ouais, mais du coup, je masse misé sur l'abomination, en fait, ça me va. Il face juste comme ça, c'est chaud. Quoi ? Les loups de givre sont prêts. C'est méga chaud, cacao, ce qu'il fait. Ça, ça fait le trade, là, c'est obvious. C'est chaud patate, chaud moquette, chaud momo. Ouais ouais, armement paré, armement paré. J'aurais peut-être même pu faire double chef loup de givre en fait. Ouais mais j'ai peur du blast, il a deux moutons, rappelons-nous, il a deux moutons en main, du coup à tout full trade au prochain tour, sans aucun problème. On va essayer de l'empêcher un maximum d'avoir des créatures qui se font. En faire ça plus ça, du coup il y a ça qui vire, 6 points de vie, moyen à voir. Allez voilà, ça c'est le premier move fait. Là la combinaison qui est là, est-ce qu'on va avoir mouton mouton, ping, mouton mouton peut-être, pourquoi pas. Inventons les plays de demain. Avec Marmotte, il y a 3 cartes, ouh ça c'est une 2 cartes qui pointe. Sur moi. Ok, c'était pas prévu dans le plan, je ne vous le cache pas, le plan Ragnaros, il n'était pas pris par la marmotte. Ah oui. Aïe, j'ai rien dans mon deck pour gérer ça. Enfin, si j'ai un truc, ça s'appelle le miracle. Au moins la double mouton et deux cartes useless. Ah ouais, en fait, il y a un jeu moyen, puis la Ragnaros dedans, et puis ça va me tuer tout seul. Ah, c'est dramatique ça. C'est une bonne gueule à être dramatique. Ouais, ouais. Il a tout trade, il a le choc de flamme. Du coup, il a deux moutons, il va me tuer avec Ragnaros. Je sais pas si je dois être mad ou si je dois me dire que c'est la vie, que Ragnaros il est fort et qu'il va me tuer tout seul. C'est normal. Bien joué. Bon. Et c'est la première défaite. Après, j'arrive pas à être déçu sur cette grosse défaite. Parce que bon, certes, elle est là. Voilà. Le mec en face, il a juste une carte dans son jeu. Oui, c'est bien, il troll, c'est fabuleux. Il a une carte dans son jeu, ça s'appelle Ragnaros. Voilà quoi. Puis il l'a couché, il m'a tué avec. GG. GG à lui, le Ragnaros m'a tué. Parce qu'en dehors de ça, il avait un jeu un peu vide en fait. Allez, 7-1. 7-1, c'est pas grave, on va rien lâcher. On va espérer de faire quelque chose encore. Faut pas se décourager. C'est le moment en fait, faut pas faire mass lose à la suite, sinon c'est foutu. Genre, si là je ferai une deuxième lose, je vais faire signer à 7-3. C'est un drame. Croisons les doigts. Ah, Uther. Ça passera peut-être un petit peu mieux, on va bien voir. Je combattrai avec honneur. Votre âme sera à moi. 2, 3, 4, au moins une bonne carte, c'est pas mal. C'est pas mal, on ne va rien lâcher. Bienvenue. Allez, bombe de matière là. Maîtresse, chef du gang de biotin, Trog Mashrock. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon début de game. En tout cas, c'est un début de game qui fait plaisir à voir. Les pièces, ça fait un amasseur de butin. Mettez cette pomme sur votre tête. Jongleur de couleur, ça change un petit peu le move. Il
peux déjà me traîner la maîtresse de la douleur si je la pose, du coup je vais devoir faire bombe de matière noire instantanément dessus. En fait, là, c'est le problème, c'est qu'après, derrière, je posais maîtresse de douleur, ping, ça touche là-dessus, il attaque dessus, il l'a tué, il lui reste deux créatures, j'ai plus rien, et je suis dans la merde. Là, moi, je chef de garde des butins, je fais comme si un tour 2 serait pas un tour 2 trop fou, voilà. Poser du coup. Le petit chef, founé, comme ça, hop, on pourra taper dessus, faire un petit token, taper dessus, faire un petit token, faire un trog, et derrière, faire le chef loot givre. Peut-être déjà, c'est gros au tour 5. J'espère. Je croise les doigts. Au rapport, ça me va. Ouais, gnome lépreux, c'est pas mal. Faut aussi poser masse créature, hein, ceci dit. Je vais plutôt poser masse créature ici. Après, sur eux, ouais, mais c'est pas grave. On va faire. Ouais, sur consacre, je prends la misère. Si je fais ça, ça force à faire ça, ouais, c'est mieux ça. On va prendre en attendant, juste avec la consécration. Croisons les doigts. Ça se passe bien. Une épée, ça va. Ouf, une épée ça va, je sais pas s'il y aura beaucoup de trades, au pire il y en a deux sur genre ça et ça, derrière je peux faire dans tous les cas mon chef de vie. Voilà, un trade là et un trade dans mes points de vie. Fabuleux le trade dans mes points de vie. Allez, ça fait un monstre de plus, on fait le chef de vie et on joue contre Paladin, la classe qui normalement a un peu de mal à gérer les gros monstres s'il ne joue pas de garde pédale d'art ou d'humilité. Ah, c'est un silence, ça fait quand même une 4-4, c'est vraiment pas mal ici. En espérant qu'il ne puisse pas la trade ou la gérer. Croisons les dents. Ok, nerve la capitale risque, ça gère rien du tout. Ok. Je face. Hein. Égalité consécration, ça me semble pas trop prévu au programme, du coup un double monstre. Si elle avait consécration, elle aurait déjà joué au tour 4. Égalité n'est pas impossible. Courroux vengeur au pire Joseph un petit peu. En tout cas, grosse sortie de ma part. Et j'espère que ça me permet d'être passé à 8-1. Et du coup de me mettre bien, du coup de me mettre dans le dur comme on dit. Pour la dernière ligne droite de cette arène. Ah, ouh, il a fait quoi? Ok, protecteur d'argent. Bah, je m'en fous un petit peu. Un secret, je m'en fous un petit peu. Trade la 8-8. Ok. Logiquement, il est mort. Il est obligé de taper dedans. Regardez le move du désespoir de la part du paladin. 4, 6, 8, 9, 10, 11. Le compte est largement bon. Je vais mettre un petit bien joué. Et le kill au tour 7. Incroyable. Démoniste bien curvé comme on les aime dans la maison. Et voilà, olé. Tu as la bombe de matière noire sur le jongleur de couteau qui a fait la game. On se remet dans le positif, 8-1. On va rien lâcher, 8-1, on va relancer une dernière. Je sais que normalement, si je voulais être optimal, je cutterais la vidéo pour faire une vidéo de plus. Mais je m'en fous, là je gagne, je veux absolument pas arrêter maintenant. Je veux pas m'arrêter avant d'être à 9 victoires. Ou peut-être, on verra bien. Allez. Gul'dan contre Jaina. Contre Jaina, bien, bien. Allez, le retour des Jaina que j'aime pas. Oh, T2, T3, sympa ça. Allez, on va juste enlever les deux grosses pelles. On a T2, on a T3. On a T2, on a T6. C'est pas mal. On peut peut-être faire T2, une tout T3, une tout T6. T1, on va voir. À voir. Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Nanana, nanana. On va rien faire. De plus sur un chef du gang des Bliotins T2. Que je pense plus sympa. Ok, me ping juste, alors ça fait plaisir. On va vraiment pouvoir faire le chef du gang des Bliotins. C'est vraiment si worth it de le faire maintenant. Non, je pense que juste faire. Enfin, je pense que juste faire le chasse Marine Gurlock parce qu'en fait ça force l'adversaire à ping dessus. Du coup, ne pas jouer de T3, du coup, derrière ça me permet de poser un chef du gang des Diablotins. Parce que là, en fait, il y a. Ok, il y a pas la Brutog, il y a pas, je veux dire, il y a pas de T4 qui survivent. Essentiellement de la Brutog. Oh, ça, c'est pas mal ça. Pour le prochain tour, ce sera pas mal. Enfin, le chef du gang des Diablotins pour l'instant. Face et reface. C'est pas dit que ça choisisse où ça tape, que ça tape au bon endroit. Là, on a peut-être plus un plan ghoul, pièce, bombe de matière noire qui peut être sympa pour avoir une grosse ghoul. Ghoul ou magoul quand tu t'imagines. Puis l'ogre à tout moment peut le troll et décide d'attaquer mes points de vie et que ça fasse du bien. Allez. Voilà, il m'attaque les points de vie. Et ça, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait attaquer là-dessus, à mon avis. Du coup, c'est cool pour moi. Surtout que j'ai encore l'orbe de son tic.
croisant les doigts. La foule de bœufs. Et c'est tout. C'est bon ça, regardez. Tout le plan qui fonctionne parfaitement. Plan, gros plan quoi. Hop, tac, tac, voilà, comme ça on a trait, du coup comme ça on a une 4-3 pour faire des clean au prochain tour de monstre. Une 2-4 à côté, assez solide au prochain tour pour avoir maîtresse plus à ma sœur. Pas mal, on est encore à 2 tours avant le choc de flamme, enfin un tour. En fait, normalement c'est le move qui l'enquique. Parce qu'en fait je peux clean une meilleure carte que ce qu'il veut avec la goule. Allez. Je me demande... Oh bah l'éclair de Juvelade c'est bien entendu, c'est évident. Ah peut-être boule de feu que la parure de faire. Ok, le rempart des tourbillons. Par le trade, ça me coûtait cher. Est-ce que c'est pas mieux comme trade ça? Si. Je pense que c'est à quoi que ça permet. Là je trade juste comme ça. Et du coup je peux impérir, je peux reposer deux monstres. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, ça c'est clean. Derrière, un monstre, deux monstres. On est sur un plan golem CS piloté. On va faire d'un le prochain tour. Ça me plaît plus, vu qu'on peut prendre un tour avant le choc de flamme. On va faire des trucs à ce tour. Allez. Ok, cône de froid et un petit pic. D'accord. Ça va aussi, cône de froid, c'est pas ultra ouf comme, comme car, du coup ça me va. C'est peut-être le cône de froid qu'il essaie de faire avant. Allez, quand même, c'est exploité. Espérons qu'il n'y ait pas de mouton. Ok, mettre l'homme blessé, ça me va. Un ping là, ça me va aussi. Parce qu'en fait, je vais faire chevalier d'Hurlevent plus face side, du coup courir avec l'assist dans ses points de vie. Ça c'est cool. En fait dans l'ordre là. Pour le roi. Voilà. Tac et retac. Les 6 qui attaquent ses points de vie. Je peux pas dire que je me sens bien. C'est encore trop tôt pour crier victoire. Pour pouvoir faire ça. Mais je suis mieux qu'à d'autres parties parce que j'ai le board. Même s'il y a un choc de flamme qui va pas tarder à faire. Allez, voilà le choc de flamme. Allez, un gros roadbob. Pour une 5-4, ça va. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On va piocher une carte. On va faire plutôt une 6-6 ici en fait au cas où il enchaîne avec un deuxième choc de flamme. Ça pourrait être fortement dramatique. Et du coup ça nous permet de garder l'étal pour le prochain tour. Même s'il ping ça, on a notre ami l'infernal. Qui est bien cool. Que faire. Ok, le mouton. Ah, la boule de feu que je vais te faire, c'est cool ça. C'est-à-dire que je refais ça avec mon monstre. Et bah, ou pas. Bon, après, quand même, j'ai double monstre à jouer à ce tour. Après, je me dis que la pas forcément deuxième choc de flamme. Allez, on va mettre double déchiqueteur, c'est bien plus solide, ça met toute la pression à l'adversaire. Et je pars sur un principe que je vais pas avoir beaucoup de trades à faire. En tout cas, je le souhaite. Après, il peut me jouer le de mort, hein. On est toujours à... Voilà, j'ai pris Raniero, je peux prendre Docteur Boom, je peux prendre d'autres choses. J'espère que non. Deuxième cône de froid. Deuxième cône de froid de jouer. Pas dire que c'est des moves du espoir, c'est des moves du mec, des shakers en face. Je peux faire. Et là, ma soeur de besoin. Combo de son antique, Dakodak. Il va en trade 1, du coup, au moins qu'il soit obligé d'en trade 1 avec le ping. Draw et dragon fer. Au moins là, s'il veut trade, il est obligé d'entraîner avec le ping là où avant il pouvait trade avec la masseur tout simplement. Il reste Gartunes qui peut faire la diff, il me reste un deuxième infernal, il reste Mal'Ganis. Je commence quasiment à piocher à piocher. Ah, DJ Marmotte. Je vais pouvoir commencer quasiment à piocher à tous les tours. On va voir. Croisons les doigts. Après, ce serait plus facile si je voyais sa main. C'est pas qu'il montre sa main quoi. S'il faut aucun effort qu'il montre pas sa main. Bien joué. C'est moi où je viens de me faire flux sur le repas. Ouais, c'est bien ça, je viens de me faire pris à sec par ce repas. Je pense qu'il est obligé de claquer un choc de flamme et pas du tout. Juste ping son mouton. Ah, ça peut être la fin de la game ça.
Ça peut être le tournant décisif du jeu tournant. Ah, le tournant qui m'explique que je vais me faire défoncer. Alors. Le temps me manque. Ah, il est peut-être AFK. Narmot, il ne faut pas souhaiter les adversaires à AFK, c'est mauvais pour eux. Robot quantique, d'huile. Un secret. Ok, c'est certainement un robot quantique qu'on va avoir. Comme déjà avoir tout de suite un croc zombie. Ah, c'est le robot quantique en gros. Pas du tout, je sais pas ce que c'est alors. On va draw. Hop, et hop, voilà. Bloc de glace au contre-sort, à mon avis, hein. Il reste plus que ça. Bon, on va prendre le deuxième chunk de flamme hein, qui voulait jouer tout à l'heure et qu'il a pas pu jouer. Mais bon. Attends, j'ai pas d'autre solution que de faire ce genre de move pour avancer dans mon jeu. Allez, pour avancer dans le pour. Du coup, pas de deuxième chunk de flamme, c'est bon pour moi ça. Je peux faire un jet de besoin. C'est bon pour moi, mais différemment. Et le ping sur la 2, 3, il va se ruiner. C'est pas foncièrement gravissime, allez. Élimination pas très très utile, on va poser ça, on va voir. On va faire le trade. Hein. On va voir ce que c'est. Voilà le contre-sort qui part. Oh, courbe sort, c'est bien pour moi, courbe sort. On en fait 3, il restait 3 slots. Parfait, allez, trade, trade et retrade. Je réfléchis même pas, j'aurais dû faire mal au 3, j'ai perdu un diablotin, j'ai joué trop vite. On continue à piocher à fond, à fond, à fond. Allez. Tac. Ok, l'explo, boule de feu. Bon, moi il reste un monstre. Il a plus que 6 mana. Allez, Shikter piloté. Ça continue, s'envoie de la bonne carte. Nom d'un caribou en plastique. Hein ? Parce que j'aime bien les caribous en plastique. Ça pourrait être pas mal, éventuellement. Est-ce que je fais le trade ? Moi, je vais faire le trade. C'est le pas, et ça, c'est le moment pour le poser. Ah. Réfléchissons. Ça hésite. Enfin, moi, je hésite plus. C'est facile. Là, trois cartes. Il me reste un infernal, Malganis, garde funeste. Oh, mouton. Bien, ça, ça me fait plaisir. Mouton, ça. Vraiment. C'est vraiment pas une de mes meilleures cartes. Qui va trade sur la. Le 3. Voilà. J'ai une balle ping. Moi, derrière, je tape là-dessus. Voile de mort. Ah, je pense que je suis pas mal. Ce qui est moyen de faire du move sympa au tour à venir. Allez, du coup, on trade ça. Parfait. Ping, voilà, on pioche, il me passe 5 cartes dans le jeu. Ok, je vais mettre brasseur 2-7-9. Tac, tac, tac. Tout dans le bon ordre. Il me reste, comme je dis, Malganis, garde funeste, infernal là-dedans. Faut juste pas qu'il y ait deuxième choc de flamme. Ça pas de deuxième choc de flamme. Ça va vraiment pouvoir full face. Voilà, tellement de tension dans cette game. 3 cartes à 3. Je connais la qualité de cartes qui me reste. Je connais pas la qualité des siennes. Faut absolument que je le tue par contre, sinon je vais mourir à la pioche. Que faire? Ça va, je m'en fous, je fous le face. Ça va ping. Sur qui, sur quoi, comment ou pourquoi. Vous aurez la réponse. Après la pub, non je déconne. Est-ce qu'il va commencer à ping quoi. Ok. Ok, souffle du dragon, ça va ça. Et du coup il va le ping. Infernal serait très bon pour moi ici. Je vous le cache pas. Bien, je dis infernal, t'as une tête d'infernal. Je vais forcément le jouer en fait du coup. Oh non! Bien joué! En fait, je pouvais pas piocher parce que si je piochais garde finesse sur une des 4 cartes, je pouvais rien jouer à ce tour. Allez, chien du magma. Oh, berk. Il me faut quoi? Ah, voilà, du coup, je viens d'en parler du garde finesse, le voilà. Je le mets 16. Je le mets 16, ça a l'air pas mal de mettre 16 à mon adversaire. Hein. Ouais, surtout. Garde un garde funeste sur le bord d'après, je m'en fous, je draw comme un fou. Infernal, de toute façon, je perds pas de points de vie à draw.
On mettra peut-être de double spell au prochain tour. Là, faut pas qu'il gère Mal'Ganis et le garde funeste. C'est aussi simple que ça. Je croise les doigts. Des pieds aussi. Mais je suis pas assez ambidextre et je peux pas aller assez souple, je peux pas vous montrer les pieds. De mes mains. Allez, meurs. Meurs, Fouamjix. Oui, ça c'est bon, ça tu meurs là-dessus. Pour l'instant, tu meurs toujours. Pour l'instant, tu meurs toujours. Meurs, je t'en supplie. Normalement, on se dit pas ça. Je sais qu'est-ce qu'il va me faire. Non, 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 pas de YOLO portail, pas de YOLO portail. Pas de YOLO portail, il m'a déjà RNG avec le mouton. Pas de YOLO portail. Pas de YOLO portail. Rien. Pas de taunt. On se calme, on est zen. Surtout pas de YOLO. Et c'est la win! Oh, c'était dur! Oh, c'était tendu! Allez, je fais ma quête du jour. On a 9-1. Quel game! What a série de game! Écoutez, on se retrouve bientôt. Dernière partie de la vidéo. Est-ce que j'arriverai à mes 12 victoires? Prochaine vidéo, la suite et la fin.